à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Roual et voici les titres de ce journal. La campagne de vaccination contre la grippe bat son plein. Elle touche surtout les plus de 65 ans. La ligne anti-homophobie et transphobie sera lancée demain, une première en Guadeloupe. Et enfin, nous avons suivi le fils du dernier gardien de phare, Ali Les Gosiers. Elle cause chaque année des milliers de décès, surtout chez les personnes âgées de plus de 65 ans. La grippe peut pourtant être évitée grâce à un vaccin. C'est la raison pour laquelle la Sécurité sociale lance aujourd'hui une grande campagne de vaccination. Reportage de Marjorie Nadal. Le quotidien de Rose-Aimée est perturbé aujourd'hui. Depuis quelques semaines, la campagne de vaccination contre la grippe a commencé et elle a décidé d'y participer sans appréhension. Je ne suis pas peur du vaccin, moi, eh bien alors. Je vais faire sur ce bras-là, ça te va? Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Fais ton travail, ma fille. À 89 ans, elle fait partie des personnes jugées vulnérables à la grippe. Son vaccin est alors entièrement remboursé. C'est l'affaire de quelques minutes et le verdict est sans appel. Je n'ai même rien senti, moi. J'ai rien senti. Fièvre, courbature, écoulement nasal, la grippe frappe chaque année. Le virus est en perpétuelle mutation et le vaccin est donc sans cesse révisé. Comme Davida, il est ainsi conseillé de le renouveler. Tous les ans, ce vaccin, on le prend. C'est pour empêcher d'avoir la grippe. Et je n'ai jamais la grippe aussi. Chaque année, le virus touche jusqu'à 8 millions de Français. Les plus de 65 ans représentent 5 à 11% des cas, mais la quasi-totalité des 2000 décès annuels liés au virus. C'est une infection virale grave et qui peut se compliquer très rapidement. Qui dit personnes âgées dit polypathologie, diabète, hypertension, etc. Et du coup, en fait, c'est le fait d'avoir la grippe qui va accentuer ces pathologies qu'ils ont déjà, voilà, et du coup, quelquefois, malheureusement, entraîner la mort. Cette maladie est très contagieuse. Il est alors important de consulter immédiatement son médecin dès le début des symptômes. Et dans le domaine de la santé, toujours une autre maladie saisonnière a fait son grand retour. Il s'agit de la bronchiolite. On estime alors entre 50 et 60 le nombre de cas en Guadeloupe depuis ces deux dernières semaines. On rappelle que le virus touche principalement les nourrissons âgés de moins de 2 ans. C'est une première en Guadeloupe. La ligne d'écoute anti-homophobie et transphobie ouvre demain. Elle comptera en tout une quinzaine de bénévoles disponibles 24 heures sur 24. La ligne a alors été inaugurée par le préfet hier soir. On l'écoute tout de suite. C'est particulièrement important parce qu'on sait que même si il y a moins de tabous par rapport à ces questions-là, le nombre d'agressions contre des personnes LGBT est en augmentation d'une manière générale dans la République, mais aussi en Guadeloupe. Et il est important d'avoir pour ces personnes une ligne d'écoute où ils puissent se confier, où ils puissent avoir des conseils. Et donc c'est pour ça que la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, a financé par le biais de la préfecture pour un montant de 30 000 euros cette ligne qui ouvrira à partir du 1er novembre. Le mouvement de grève pourrait bien reprendre à la mairie de Baie-Mahault. L'UTC-UGTG a déposé un préavis pour le 4 novembre prochain. Ils accusent la maire de la ville d'avoir pris des mesures à l'encontre de certains agents. On rappelle que le mouvement avait alors pris de l'ampleur au début du mois. C'est une attraction incontournable ici en Guadeloupe, l'île Les Gosiers, avec son phare emblématique. Pour certains, il est même plus qu'un symbole, c'est un lieu de vie. Le fils du dernier gardien de phare occupe encore les lieux. Marius Mathieu a pu le rencontrer. Comme tous les matins depuis près de 30 ans, le départ de Jocelyn au travail prend des airs de grand voyage. Il est le seul restaurateur de l'île Les Gosiers en Guadeloupe. Au départ de Pointe-à-Pitre, chargé de provisions, ce quotidien pourrait sembler usant, à moins de prendre la vie du bon côté. J'ai la chance de gagner ma vie, je pense que c'est un bien de la nature. Et en plus, j'ai une bonne vue, quand je pars, ça déstresse. On voit toute la chaîne de montagne, on voit la mer. Aujourd'hui particulièrement, la mer elle est belle. C'est superbe. Avec une mer peu agitée, il faut 20 minutes à Jocelyn pour atteindre sa destination. L'île du Gosier, c'est une petite île paradisiaque d'un kilomètre de long, équipée d'un phare et située à quelques centaines de mètres au large de la ville du même nom. Le bateau est accosté, mais pour Jocelyn, pas le temps de profiter du rivage. L'homme de 61 ans se prépare à accueillir ses clients.
Ici, des milliers de touristes et locaux viennent se restaurer et se détendre chaque année. L'idée d'accueillir des visiteurs est venue naturellement pour Jocelyn, fils du dernier gardien du phare de l'île. Je suis pratiquement né ici. Nous étions une famille de 7 garçons. Et nous avons passé toute notre enfance, notre petite enfance. Il y en a même qui sont nés ici, parmi mes frères. Parce que je suis le troisième de la famille. Mon père, c'était le gardien. C'était quelqu'un qui aimait la pêche. Alors c'est pour dire comment on a pu manger du poisson sur l'île. C'était plus poissonneux déjà. Et c'était un amoureux de la pêche. Alors tu vois cette table-là? Cette table-là, elle était au phare. Et elle est plus âgée que moi. C'est laquelle qui nous servait de manger en famille. C'est où que je suis né, pratiquement. Je me suis détaché à un moment donné pour partir en métropole. Et c'était plus fort que moi, il fallait que je revienne. Un endroit difficile à oublier, chargé d'histoires, d'anecdotes et de souvenirs de famille pour Jocelyn, le dernier témoin d'une époque révolue. Alors voilà, c'est la maison de mon enfance. C'est où j'ai vécu. Là, on voit la fenêtre ouverte encore. C'est la cuisine, ce qui nous servait de cuisine. C'était une enfance très riche, que nous, en étant jeunes, très jeunes, on s'apercevait pas de ça. Mais maintenant, en vieillissant, j'ai encore des souvenirs qui reviennent, qui me permettent de constater que j'ai vécu une enfance merveilleuse. Dès 1973, le phare est automatisé. Le passage du cyclone Hugo en 1989 met fin définitivement au gardiennage. Aujourd'hui automatisé et téléguidé, il ne nécessite plus l'intervention de l'homme. J'accompagnais mon père, parce qu'en étant gamin, lui, on montait vers les minuit. Remonter le proie de 800 kg à la manivelle, et c'est ce qui permettait au globe de tourner en descendant. Et l'île, de sa surface, elle n'a pas tellement changé. À part le banc de sable qui est parti, ça faisait la beauté de l'île, encore plus fantastique que maintenant. Il y avait les hélicoptères qui se posaient là-dessus, et je pense que c'est à la suite de cyclone que ça a disparu. C'est un lieu naturel, les touristes viennent, ils respectent la nature. J'ai peur que ça devienne un endroit où le capitaux, des hôtels, des logements un peu de toutes sortes de gens, quoi. Ou bien le Guadeloupéen de classe moyenne ne puisse pas participer aux bénéfices que se porterait cet endroit. Ça me fait peur. L'île Aigosier est depuis 2003 sous la protection du Conservatoire du Littoral pour assurer sa préservation future. Un moindre mal à espérer pour cet endroit encore sauvage, où le temps semble s'être arrêté. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La campagne de vaccination contre la grippe bat son plein, elle touche surtout les plus de 65 ans. La ligne anti-homophobie et transphobie sera lancée demain, une première en Guadeloupe. Et enfin, nous avons suivi le fils du dernier gardien de phare à l'île Aigosier. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.